Port-au-Prince, 3 ans après le séisme, les traces du tremblement de terre sont encore bien visibles. La cathédrale est en ruine. Partout, des campements où survivent des dizaines de milliers d'Haïtiens. Qu'est devenu l'espoir d'une reconstruction du pays qu'avait soulevé l'élan de solidarité internationale au lendemain du tremblement de terre? Le 12 janvier 2010, 230 000 Haïtiens trouvaient la mort. L'aide humanitaire se déverse alors en masse. Nations Unies, ONG, pays donateurs, organismes internationaux, chacun se précipite au chevet des Haïtiens, chacun avec son propre plan, bien souvent sans coordination. Passé l'urgence des premiers mois, l'aide humanitaire laisse place à la reconstruction. Mais de quelle reconstruction parle-t-on? Que prétend faire la communauté internationale? Les Haïtiens ont-ils leur mot à dire? Sont-ils associés à cet effort pour sortir le pays du sous-développement? Car cette reconstruction va bien au-delà des bâtiments effondrés. L'économie haïtienne est à l'agonie. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le séisme n'a fait qu'aggraver une situation sociale explosive. Les défis de la reconstruction concernent aussi les institutions d'un État haïtien faible, marqué par 30 années de dictature du Valier et une instabilité politique chronique. Ce voyage commence dans le quartier de Brice-Tout-Bobin. Sur cette colline, un campement, comme il en existe des dizaines dans la capitale. 2000 personnes vivent ici depuis le séisme. Une population oubliée de l'État haïtien, mais aussi de la communauté internationale, les Nations Unies et les ONG. Le camp s'est transformé en véritable bidonville. Un comité d'habitants tente d'organiser la population dans ce labyrinthe de pauvreté. On a à peu près 450 familles qui n'ont pas eu même une latrine. On n'a pas d'eau potable et on a besoin de tout ça. On avait deux organisations qui étaient, la Solidarité Internationale et les World Vision, mais qui étaient là à peu près 3 à 4 mois. Mais depuis ces jours-là, on n'a eu pas même une organisation qui vienne nous aider, qui vienne nous visiter ici. Après la tempête Sandy, on a constaté près de 185 à 90 cas de choléra. 3 jours avant notre visite, un enfant est décédé du fait des conditions sanitaires exécrables, du manque de soins et de la chaleur étouffante dans les tentes. Au lendemain du séisme, pour lutter contre la multiplication de ces campements, les ONG internationales et l'ONU favorisent l'ouverture de camps de relocalisation pour ceux qui ont perdu leur maison. Cette solution est alors présentée comme temporaire. À 20 km de Port-au-Prince, le camp Corail, posé à flanc de montagne. Ouvert en 2010, il devait être un modèle de camp de relocalisation. Depuis, l'expérience a tourné au désastre. Les abris transitoires, construits en contreplaqué, se dégradent, incapables de résister aux intempéries. Ces abris ne disposent ni d'eau courante, ni de toilettes. Ils consistent en une seule pièce, où doivent vivre tous les membres d'une même famille. À l'été 2012, les ONG étrangères, à l'initiative de la création du camp, et qui étaient en charge de l'eau et des latrines, décident de se retirer du camp. Un désengagement aujourd'hui généralisé avec le tarissement des dons et des financements des bailleurs. Plus de 10 000 habitants sont abandonnés à leur sort dans cette zone quasi désertique, loin de toute activité. Les Nations Unies n'assurent plus qu'une présence symbolique en maintenant quelques casques bleus sur place. Une escouade de militaires péruviens qui tue le temps derrière leurs barbelés. On n'a pas de moyens de vivre ici. Parce que la situation est extrêmement compliquée parce qu'on n'avait pas d'eau potable, on n'a pas d'assainissement. Si vous regardez par ici, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de magasin pour les gens. On n'a pas assez de réservoirs parce qu'il y a deux blocs, environ à 4 à 500, environ 500 shelters pour seulement 3000 gallons d'eau. C'est extraordinaire. C'est insuffisant ça. Parce que lorsqu'il y a un problème au centre-ville, il y a un problème que les camions ne peuvent pas venir ici. Et bon, toute la population reste sans rien faire dans la question de l'eau. Je veux que les ONG remplissent les conditions qu'il faudra les faire. D'intervenir dans la question, dans la problématique des gens. Ce qui explique, intervenir dans la question d'eau, dans la question d'assainissement, tout ça. Il y a des enfants ici partout, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, il n'y a pas de l'école. Bon.
La situation de ces camps transitoires créés sans consultation des populations est devenue dramatique. L'absence de l'État haïtien, le désengagement des ONG incapables de gérer les camps sur le long terme, risque de les transformer en gigantesques bidonvilles à la périphérie de Port-au-Prince. Une urbanisation sauvage déjà bien avancée. Sur ces collines, de nouveaux quartiers de Port-au-Prince sont en train de voir le jour. Canaan, Jérusalem sont des quartiers qui regroupent aujourd'hui près de 100 000 habitants. De véritables villes faites de petites cabanes, des quartiers d'invasion en voie de consolidation. Une situation extraordinaire qui ne provoque aucune réaction des autorités haïtiennes. Aucun plan d'urbanisme n'a été élaboré, aucun service public de base n'a été mis sur pied. Ici, il n'y a ni école, ni centre de soins. Retour à Port-au-Prince, au siège du RNDDH, le Réseau National de Défense des Droits Humains, la plus importante des ONG haïtiennes affiliées à la FIDH, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme. Une conférence de presse s'organise avec une délégation venue de France présenter un rapport sur la situation haïtienne. Haïti, la sécurité humaine en danger. 3 ans d'enquête pour dresser un bilan accablant de la reconstruction. Absence de solutions à long terme, manque de coordination, abandon des populations. Le constat, et nous sommes, c'est vraiment dramatique de devoir le faire aujourd'hui, 3 ans après, c'est que la vulnérabilité, la précarité demeure. Et c'est d'autant plus scandaleux qu'il y avait eu cet espoir, que la mobilisation internationale, que les fonds financiers considérables qui ont été mis à disposition allaient pouvoir donner l'occasion de reconstruire, de rebâtir d'une autre façon. Et ce qu'on constate 3 ans après, c'est que ça a été insuffisant à court terme et que l'exclusion sociale demeure, voire même peut-être s'agrandit. Une reconstruction déconnectée des besoins des populations où les élites politiques haïtiennes font preuve de prédation sans que la communauté internationale ne réagisse en conditionnant son aide. Le projet de construction de Morne à Cabri offre une illustration saisissante de ce gâchis. À 20 km du centre de Port-au-Prince, c'est le seul projet de construction de logements de grande ampleur lancé depuis le séisme. À terme, on comptera ici près de 3000 logements. Mais cet alignement d'immeubles a quelque chose d'invraisemblable. Pour chaque famille, il est prévu un logement d'une surface de 23 mètres carrés. Les chambres, minuscules, sont totalement inadaptées aux besoins des familles. C'est une manque de considération de la personne humaine, non seulement du côté des autorités de l'État, mais ceux qui financent les différents projets pour la reconstruction d'Haïti. Malgré un coût de plus de 50 millions de dollars, aucune entreprise haïtienne ne travaille sur ce chantier. Pendant des mois, des journalistes haïtiens ont tenté d'obtenir des informations concernant les conditions d'attribution du contrat et le déroulement de l'appel d'offres. En vain. L'opacité est totale. Le gouvernement n'a retenu que des entreprises de construction basées en République dominicaine. Des entreprises appartenant toutes à un sénateur dominicain, Félix Ramón Bautista. Or, ce richissime entrepreneur est soupçonné par la presse dominicaine d'avoir financé la campagne électorale de l'actuel président haïtien, Michel Martelly. Aujourd'hui, les grands contrats liés à la reconstruction sont devenus une source de corruption au plus haut niveau de l'État. Au palais de justice de Port-au-Prince, les magistrats souvent proches du pouvoir couvrent les affaires de corruption en les classant sans suite. Les menaces et les intimidations se multiplient à l'encontre des militants des droits de l'homme qui dénoncent l'impunité qui règne sur l'île. Le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, le sort de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier en est l'illustration. Jean-Claude Duvalier, fils de François Duvalier, a poursuivi jusqu'en 1986 la terrible dictature mise en place par son père. Près de 30 années d'un régime de terreur soutenu par les États-Unis, où les tontons Macoute, la milice du régime, se rendent coupables de crimes de masse. Des dizaines de milliers d'Haïtiens sont victimes d'exécutions sommaires, de disparitions forcées, de tortures. À la cour d'appel de Port-au-Prince, le procès de Jean-Claude Duvalier vient de s'ouvrir. Les avocats des victimes dénoncent le traitement réservé à l'ancien dictateur rentré en Haïti en janvier 2011.
Le magistrat en charge de l'enquête a bouclé son instruction en refusant de poursuivre Jean-Claude Duvalier pour crime contre l'humanité. Il n'existe aucun moyen pour les tribunaux haïtiens d'utiliser la notion de crime contre l'humanité à l'encontre du nommé Jean-Claude Duvalier. Les juges semblent ne pas avoir pris connaissance du dossier d'instruction. Une parodie de justice pour les avocats des victimes. Oui, je pense que si vous voulez avoir la situation haïtienne au niveau de la justice, il faut venir dans ces procès. Tellement c'est minable, tellement c'est mal organisé, tellement que les droits ne sont pas protégés. Vous voyez, finalement, c'est presque une caricature de la justice. Voilà. Si l'impunité reste la règle pour les puissants et les responsables de la dictature, l'immense majorité de la population n'a pas accès à la justice. Le délabrement du système judiciaire a des conséquences dramatiques. 80% des détenus sont en attente de procès, des détentions provisoires qui peuvent durer des années. La situation des prisons haïtiennes est devenue catastrophique. Sur les hauteurs de Port-au-Prince, la prison des femmes de Pétionville. Ici, les conditions de détention sont particulièrement inhumaines. Grâce à des militants des droits de l'homme haïtiens, nous parvenons à filmer ces cellules surpeuplées où sont entassées des femmes souvent très jeunes. Dans cette cellule survivent 33 détenus à n'ont droit qu'à une heure de promenade par jour, un traitement cruel et dégradant que dénonce l'avocate Rosie Auguste. Il est clair que le nombre de femmes qui est à l'intérieur ne correspond pas au nombre de lits et de matelas disponibles. Les conditions sont tellement difficiles que ça te fend le cœur quand tu les regardes. C'est même pas seulement pour la prison civile de Pétionville, c'est dans toutes les prisons du pays. Des conditions générales de détention qui sont tellement exécrables en Haïti, qui sont tellement inhumaines. La plupart de ces femmes sont en attente de jugement, une détention provisoire qui peut durer 3, 5, parfois 7 ans. Elle dit qu'elle est là depuis 2007 et qu'elle n'a pas. Incompétence, corruption des magistrats, la justice haïtienne ne fonctionne pas. Les détenus n'ont droit à aucune aide juridique, une situation qui dure depuis des années mais ne semble pas préoccuper le gouvernement haïtien. Rien n'est fait pour améliorer les conditions de détention et résoudre ces dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Dans le centre de Port-au-Prince, le ministère de la Justice. Ici, on cherche à justifier la surpopulation carcérale en stigmatisant les détenus. Pour le ministre de la Justice, un proche du président Martelly, les détentions provisoires sont justifiées. Tous les prisonniers sont des innocents. Ils n'ont rien fait. Ils étaient en train de faire, ils ont été appréhendés. Ils sont des kidnappeurs, ils disent qu'ils n'ont rien fait. Ils ont tué, ils n'ont rien fait. Comme si il existait plusieurs vérités, vous n'allez pas pouvoir établir que ces gens-là ont commis. Ils ont un dossier. Les autorités haïtiennes semblent indifférentes à la souffrance de milliers de détenus. Dans les prisons surpeuplées, c'est le règne du désespoir. Ça ne fait pas de sens, par exemple, que des personnes soient arrêtées et qu'elles soient placées en prison et qu'elles n'aient jamais eu l'opportunité de passer par devant un juge. Généralement, quand la personne rentre en prison, elle a encore un peu de morale. Et après un an, après deux ans, après trois ans, tu retrouves cette même personne esselée totalement et désespérée aussi parce que finalement, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle pourra sortir. Trois ans après le séisme, les prisons restent les grandes oubliées de la reconstruction. Dans la cour de la prison, des voitures des Nations Unies. Des policiers de l'ONU viennent régulièrement visiter la prison. Refusant d'être filmés, ils reconnaissent cependant hors caméra la gravité de la situation et leur totale impuissance à agir. Mais quel rôle joue donc l'ONU en Haïti? Depuis 20 ans, les missions des Nations Unies se succèdent sur l'île. En 2004, le Conseil de sécurité crée la MINUSTA pour renforcer les institutions haïtiennes, promouvoir et protéger les droits de l'homme. Dans les faits, la mission se concentre désormais sur les activités de formation et d'encadrement de la police haïtienne. Des opérations conjointes sont organisées dans les quartiers de Port-au-Prince, où règne la violence de gangs, des démonstrations de force spectaculaires, mais qui restent ponctuelles et n'arrivent pas à éradiquer la violence, conséquence d'une exclusion sociale grandissante.
Aujourd'hui, la mission des Nations Unies semble totalement inadaptée aux besoins de la population, car cette mission est essentiellement militaire, avec près de 9000 casques bleus et policiers contre seulement 450 civils. Largement déconnectés des Haïtiens, l'essentiel des personnels de l'ONU vivent reclus dans l'enceinte bunkérisée du siège de la mission installée sur l'aéroport de Port-au-Prince. La MINUSTA semble incapable d'exercer une véritable pression sur l'État haïtien aux mains d'élites minées par le népotisme et la corruption. Extrême pauvreté, insécurité alimentaire, montée en puissance de la violence dans les quartiers populaires. Si le bilan de la reconstruction en Haïti est globalement un échec, des expériences montrent qu'une autre voie est encore possible pour associer les populations à un véritable développement du pays. Nous nous rendons à Petit Boucan, à 30 km à l'ouest de Port-au-Prince. Dans cette région, située à l'épicentre du séisme, des centaines de maisons de petits paysans ont été détruites. Une organisation haïtienne, ITK, mène un projet original de reconstruction sur la base d'un travail communautaire. Ici, les familles sont associées à la construction de maisons parasismiques et paracycloniques, des maisons en pierre composées de trois vraies pièces. Chambre des enfants brisée. Refusant la constitution de camp, Chenet Jean-Baptiste est à la tête de ce chantier. Travailler avec les gens sur des programmes véritables de relogement. Voilà ce qu'a été notre approche. Évidemment, on n'a pas été entendu. On a dit, bon, ça va prendre beaucoup de temps pour travailler sur des programmes de relogement, etc. Vaut mieux commencer par les abris transitoires. Les abris transitoires, ce sont des maisons de... Ce ne sont pas des maisons, ce sont des boîtes. Ce sont de petites boîtes de 18 mètres carrés. Et nous avons dit aux grandes ONG internationales, cette approche ne convient pas à la situation haïtienne. À terme, c'est plus de 400 maisons qui seront édifiées dans ces montagnes. Financé par une ONG canadienne, le projet est exclusivement dirigé par des Haïtiens. Un travail collectif, ambitieux, associant les populations locales à la reconstruction. Une reconstruction qui s'inscrit dans la durée, loin des interventions d'urgence. Le travail d'ITK s'articule en effet autour d'un projet productif avec la mise sur pied d'une usine de fabrication de blocs de construction. Dans l'atelier, deux machines peuvent en fabriquer près de 6000 par jour. Une création de richesses visant au développement de la région, un investissement à long terme. La crise du logement, le problème du logement préexistait au séisme. Donc il faut résoudre le problème de manière structurelle. Donc avec cette usine, on peut continuer à fabriquer, à construire des maisons, même après le projet. Et ce sont des jeunes de la zone, de la localité, qu'il faut fonctionner, l'usine, l'atelier. 600 emplois ont été créés grâce à ce projet de travail communautaire. Un exemple d'économie sociale et solidaire, une réussite qui reste malheureusement une exception en Haïti. Ce que nous avons fait, ce que nous faisons, constitue certes un modèle. Il ne faudrait pas être trop modeste. Mais c'est un modèle qui a seulement une valeur démonstrative. Pour dire oui, nous pouvons. Oui, si on veut et si on a la volonté politique, on peut faire beaucoup de choses. En réalité, il revient à l'État de prendre en main la reconstruction du pays. Donc ce n'est pas l'État tel que nous l'avons actuellement qui pourra le faire. Il faut l'action, il faut la mobilisation des mouvements sociaux. Il faut le renforcement des mouvements populaires pour que l'on puisse arriver à cette transformation de l'État. Sans l'action des mouvements sociaux, des mouvements populaires, on n'y arrivera pas. Ça ne viendra pas de l'international, ça ne viendra pas de l'étranger. Car de toute manière, comme nous le disons, Haïtien, c'est potomitan reconstruction Haïti. En d'autres termes, c'est le peuple haïtien, ce sont les Haïtiens qui sont le moteur et l'acteur de la reconstruction du pays, du développement économique et social de notre pays. Si le relèvement d'Haïti viendra nécessairement d'une implication grandissante de la population, la communauté internationale doit aussi prendre conscience de ses échecs. En soutenant sans condition des institutions haïtiennes souvent incompétentes et corrompues, les Nations Unies aggravent la situation du pays. Un véritable partenariat solidaire associant réellement la population à une démocratisation de la société permettrait de sortir Haïti de cette dépendance de l'aide internationale et ouvrirait de nouvelles espérances au peuple haïtien.